amis, c'est l'heure tout play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, petit papa Noël, c'est les vacances, et dans 2 jours exactement c'est Noël, enfin non, plutôt c'est demain soir, le réveillon, je tourne actuellement le lundi 23 décembre, précisément, un petit épisode de Shitty Jixel pour votre plus grand plaisir. Je ne tourne pas avec mon nouveau micro parce que je suis en phase de test. Oui. Enfin, je veux dire en phase de test. J'essaye de trouver le son parfait, enfin les réglages parfaits pour vous offrir le maximum de la qualité possible et imaginable sur cette terre. Mais en tout cas, je peux vous dire que monté, il est vraiment excellent. Enfin, je veux dire, c'est un très 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 bon micro. Enfin voilà, j'ai plus qu'à trouver les bons réglages et on sera nickel. D'ailleurs, il faut aussi que je bosse sur mon intro et l'outro là, parce que là, ça va plus. Là, il y a dû laisser aller un petit peu, hein. Bref, faut que j'arrête les conneries. Donc, épisode de Cities XL où là, normalement, les performances sont grandement améliorées. Puisqu'en fait, j'ai juste aboli cette espèce de tearing monstrueux. Je trouvais pas, puisqu'en fait, il n'y a pas l'option synchronisation verticale dans les options du jeu, ce qui est un petit peu emmerdant. Alors, pour vous, ceux qui veulent enlever cette espèce de tearing monstrueux dégueulasse là, enfin, pour le tearing, pour ceux qui savent pas ce que c'est quand l'image, la fréquence des images n'est pas. Enfin, je sais pas comment dire, les images se cassent si vous voulez, ça fait des gros traits dans l'image quand on se déplace. Et voilà, il y a plus cet effet là. Donc pour ceux qui veulent savoir, moi ça a marché, pour le coup je suis allé voir sur internet. Si vous avez une carte NVIDIA bien sûr, vous cliquez droit sur votre bureau, panneau de configuration NVIDIA, paramètres 3D, réglages paramètres 3D. Vous allez dans les sélections de programme ou un truc comme ça, le deuxième onglet là. Vous ajoutez CitiesXL Platinum. Et dans les options, vous allez tout en bas, vous avez synchronisation verticale, vous mettez activé et ça activera l'insynchro dans le jeu. Voilà, parce que là, il y a plus ce tearing ignoble. Bon, on n'a pas un FPS non plus monstrueux, mais bon, on a plus ce tearing chiant à mourir qui réduisait la qualité à mort. Et qu'est-ce qui se passe ici? La proximité du fret, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, la proximité du fret? Ah oui, c'est vrai, par contre, je ne l'ai pas relié ça. Mais en fait, je suis con. Oui, je suis un petit peu stupide en fait. Là, je suis un petit peu con quand même, hein. Je vais mettre une petite route de. Comment on fait? Non, route de. Oh les gars, route de terre, la route de. Ah mais merde, j'ai activé les ponts. On va mettre une petite route de terre juste là. Non, on va plutôt la mettre juste là. Voilà. Parce que voyez-vous, ce silo est obligé de se taper tout le chemin là-bas alors qu'il pourrait très bien le faire ici. Ce serait peut-être plus court, ouais. Voilà, voilà. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Excellente question. Et j'ai encore oublié, à chaque fois je dis des trucs, mais j'oublie complètement de les faire. J'avais dit que je ferais une nouvelle ville pour subvenir aux besoins en carburant et autres ressources énergétiques. J'ai oublié, encore une fois, mais c'est pas grave. Je vous promets, là, c'est comme si, Prison Architect, je vais faire mon possible, je vais faire une petite ville exprès. Ne vous inquiétez pas, bon. Déjà, on va essayer de régler trafic saturé. Ouais, qu'est-ce que tu me dis? Voyons voir, trafic, c'est où? Comme vous pouvez le constater, j'ai augmenté à mort l'échelle de l'interface pour que vous y voyez vraiment. Enfin, pour que ce soit vraiment très clair. Parce que en regardant, j'avais l'impression que c'est vraiment petit. Donc voilà. Et en plus, bon, un autre problème, ça, bon, je vais pas vous en parler parce que vous en foutez. Vidéo pixelise en 1080p. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça le fait. Je trouve ça juste ignoble. Alors que la qualité est censée être juste. La qualité est absolument monstrueux sur mon ordi, mais quand je la fous sur YouTube, c'est pixelisé en plein écran et ça me casse les bam bam, si vous voulez tout savoir. Hein. Alors ici, est-ce que... Ouais, oula, oui, c'est vrai que c'est saturé, là, il faudrait d'autres routes. Oh là là, c'est la merde. Ah oui, c'est la merde. Bah écoutez, on va améliorer ça. On va agrandir la route, ça va me coûter combien ça? Attendez, on va essayer. Là, il y a 4 voies, il y a combien de voies là? Il y a 4 voies aussi. Ouais, mais non, en fait, non, ça sert à rien puisque c'est quand même 4 voies. Non, en fait, il faudrait une autre route. Ou alors, il faudrait un truc à sens unique. Il faudrait faire une route où il puisse. Enfin, ouais.
Ouais. Le taux de chômage est au plus bas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voyons voir. Taux de chômage, satisfaction, chômage. Oh, 5% pour les employés qualifiés et 0 pour les employés, enfin les travailleurs non qualifiés. C'est absolument génial. Emploi disponible pour les managers. Ah, va falloir bientôt qu'on mette des managers. En attendant, donc le trafic, ouais. Le truc qu'il faudrait, c'est que je vais rajouter une deuxième avenue, si vous voulez. On va désengorger un petit peu par ici. Les problèmes de transport commencent déjà à pointer le bout de leur nez là. Voilà, on va faire on va désengorger un petit peu. Et donc là, par exemple, ce seront merde, mais alors comment on fait? Justement, c'est l'inverse. Voilà. Ici, l'avenue de retour, donc une 4 voies. Les automobilistes pourront rentrer par ici. Et ici, bah, c'est l'inverse. Voilà. Ici. C'est sens unique. Ils peuvent, bah, ils vont uniquement par là-bas. Pareil ici. Voilà. Ça, et ils pourront rentrer que par celle-ci. Et voyez, ça fonctionne déjà. Voyons voir trafic si ça s'est un peu amélioré. Voilà. Hein? Ok, petit bug. Bon là, quand je zoome, c'est vert et quand je dézoome, c'est rouge. Bon. Bon, par contre, ouais, ici, je vais rajouter d'autres avenues encore. Ah là, les joies de l'urbanisme hein, et des transports, hein, fallait bien que ça tombe un jour. Hein. Là, pareil. Tac. Vous voyez. Et là, pour le coup, par contre, c'est qu'une zone à sens unique. Voilà. Voilà, comme ça. Bon, réseau un peu chelou, mais bon, pour rentrer la zone industrielle, ça va être le Capharnaüm là. Tous les soirs là, bon là. Bon, normalement on a réussi un petit peu à limiter. Va falloir bientôt que j'installe le réseau de bus. Ici aussi ça commence à être la merde. Attendez, on va rajouter une avenue. Bientôt de toute façon il y aura les autoroutes. Il y aura les autoroutes. Tac, voilà, on va faire un truc comme ça. Voilà, on va leur donner plusieurs chemins possibles. Il va falloir que je mette les réseaux de transport en commun, enfin, rapidement. Donc ici, c'est pour y aller. Là, c'est pour rentrer. Là, c'est pour rentrer, pareil. Et là, voilà, pareil. Par contre, là, c'est pour y aller. Non, je me suis trompé. Voilà, là, c'est pour y aller. Non, alors non, attendez, j'ai fait une connerie. Non, ici ça va plutôt être pour y aller aussi. Voilà. Voilà, comme ça. Et ici pour y aller. Non, l'inverse. Voilà. Bon, déjà, ça a l'air d'être mieux. En fait, faut toujours faire des réseaux à double comment dire, je sais pas comment dire, à double voie, enfin pas double voie mais double route quoi, vous voyez, double possibilité de chemin quoi. Allez, par exemple ici on va faire où ça peut aller que par là. Non. Vous voyez, et là on peut que revenir. Non, putain, mais je me gourre à chaque fois. Voilà. Voilà, et là normalement transport. Voilà, bah c'est parfait. Oh, regardez-moi ce professionnel. Tout est vert. Oh. Oh là là, je suis tellement bon. Les citoyens ont peur du feu. Que se passe-t-il ici? Alors ça veut dire que nous devons rajouter sur le champ non, de service de pompiers. Alors voyons voir, on va prendre un truc qui me coûte pas cher. Oh putain, ça va. Va falloir vite que les revenus là augmentent. Hein. Bon, la petite caserne de pompiers ici. Hop. Il va falloir en mettre plusieurs. Voilà, une petite caserne de pompiers ici. Une petite caserne de pompiers ici. Et voyons voir si ça s'améliore. Une caserne de pompiers ici, bien sûr. Voilà. Alors, comment je fais pour voir ça? Satisfaction. Pompiers. Ah, bah voilà, ça s'est grandement amélioré déjà. Attendez. Le truc, c'est. On va en mettre une autre là quand même. Pour être sûr. Voilà.
pas mal de casernes de pompiers, c'est parfait. Le problème des casernes de pompiers est résolu. Youhou! On refait un petit tour ici. Chômage a encore baissé. Par contre, mes revenus ont baissé. Voyons voir les échanges. Moins 3 carburants, ça va falloir que je fasse quelque chose. Par contre, je peux vendre de l'industrie lourde, d'électricité, je vais en produire. Bureau, c'est parti. Bureau, on va réduire un peu le temps. Un petit peu, voilà. On va construire des bureaux, si vous voulez tout savoir. Alors, bureau, on va faire une zone complète de bureaux. Alors, densité... Attends, densité, il faut combien? Densité, manager, non. Pour l'instant, ici, on va mettre des bureaux que pour les travailleurs. Attendez, il demande quoi ici? Travailleurs qualifiés. Ok, bah c'est parfait. On va foutre des bureaux un peu partout. On est obligé, hein. Là, c'est pas les bonnes routes. Road bike. Voilà. Ok, normalement c'est les bonnes routes. Et vraiment le trafic est complètement overbooké, hein. On installera bientôt un petit réseau de bus ici dans cette zone là. Spécialement, on fera un terminal spécialement pour cette zone. Par contre, j'ai pas pensé à faire des voies de tram. Dans les voies de tram, on les fera pas par ici. Là, on fera principalement le bus et le vélo. Donc là, les amis, là, je vous donne du bureau là, hein. Voilà. Là, j'ai investi, vous avez intérêt à... Les citoyens s'ennuient. Alors ça, par contre, ce sera mon éternel ennemi. Le loisir. Ah, c'est joli ça, qu'est-ce que c'est? Hôtel d'affaires. Ah oui, c'est vrai, hôtel d'affaires. J'avais pas pensé à ça, hôtel d'affaires. Bah, je vais en mettre tout de suite sur le champ, hôtel d'affaires. Ouh, il y a des hôtels sympas. Hôtel de standing. Ça, alors, petite astuce, faut les mettre très 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 près des... voilà, des zones de transit. Vous voyez, pour qu'ils aient un... je sais plus comment ils appellent ça, un... On va en mettre un autre là-bas. J'ai oublié comme ils appellent ça. À côté de la mairie qui est toute seule. Voilà. Comment ils appellent ça déjà? Attendez, faut attendre qu'ils se construisent. Vous voyez par exemple lui. Proximité de service passager, vous voyez. Quand il y a une zone de transit avec le monde extérieur. Voilà, la petite pastille est à 100%. Les impôts par contre. Alors c'est vrai que les impôts... Il n'y a pas assez de travailleurs pour les hôtels. Qu'est-ce qu'ils veulent les hôtels? Assez de travailleurs. Ah ouais, comment ça va passer de travailleurs? Un hôtel de tourisme. Oh, c'est quoi ce délire? Par contre, les impôts, je m'étais jamais posé la... Impôts. Alors, les impôts. Bah, on va impôts, là. Ouais, impôts, ouais. T'as, ils sont pas contents, tu sais. Transport privé, je me demande ce que c'est, tiens. Les lois... Entreprise privée de loisirs, ça je savais pas qu'on pouvait installer des entreprises privées de loisirs. Pour l'instant on va voir, c'est peut-être pas encore dans mes bâtiments. Enfin je les ai peut-être pas encore installés. Alors on va peut-être augmenter un petit peu les impôts là. Jusqu'à... Ouais, pour l'instant que c'est vert. Ah non, voilà, là ça commence. On va baisser un peu. Ouais, ça leur a pas trop plu. Je suis désolé les gars, mais bon, hein, j'augmente les impôts, quoi, j'ai besoin de thunes. Voilà, quoi. Bon, je vais peut-être leur baisser les impôts. On va voir si ça change quelque chose. 59%, merde, j'aurais peut-être pas dû, en fait, hein. Bon, je vais réduire. Non, je vais réduire. Surtout, ouais. Bon, c'est bon, ça remonte. Ok, je les ai augmentés un petit peu. Bon, voilà. Les citoyens s'ennuient. Oui, 2 secondes. On peut pas tout faire en même temps, s'il vous plaît. Loisirs. Alors, loisirs, qu'est-ce qu'on va leur foutre? Une piscine, ça me paraît bien, ça. Vous pouvez aller faire plouf. À côté de la caserne de pompiers, on sait jamais. Hein, si par malheur, hein, rupture d'eau. Là, vous seriez bien content d'avoir une piscine, quoi, hein. Voilà, même si ça coûte hyper cher. Alors, voyons voir, loisirs. Ouais, c'est vraiment juste service de loisirs. Pourtant, vous êtes pas si... Bon, attendez, je vais vous rajouter encore un truc de... Voilà, hein, là... Là, franchement... je vous gâte un petit peu, quoi, hein.
Je vais foutre encore un bowling, écoutez. Hein. Ça vaut vraiment cher. Hein. Putain, mais ça. Ah ouais, mais en fait, oui, ça coûte vraiment la peau du cul. Oui, ça vaut vraiment, 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 vraiment la peau du cul. Regardez-moi ça, j'étais à 32 000, je viens de perdre. À mort là. Électricité, ouais. Agroalimentaire, je vends. Bureau 1, je peux exporter. Mince. Je remets le temps à 5. Ouais, je perds du fric là. Ouais, c'est pas normal ça. Oulala. Bon, attendez. On va ramener de la populace, si vous voulez mon avis. Non, densité 1. Ouais, c'est toujours le. Bon, bah on zone. Hein. voilà. Tac, c'est parfait. Ouais, par contre, va falloir que je pense vraiment à faire tout ce qui est carburant. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Puis avec un peu d'électricité. Non, mais là, j'ai perdu pas mal de fric en pas beaucoup de temps. Vous allez voir qu'avec les bureaux, ça va tout de suite être un peu plus. Enfin voilà, ça va aller mieux. Voyons voir si je gagne plus. Ouais, c'est. Non, je perds. Bon, ça remonte. Faut attendre qu'il s'installe, hein, c'est pas compliqué. Vous voyez, avec les impôts, voilà, ça remonte, ça remonte. Je voulais voir un truc tout à l'heure, je voulais vous montrer ici dans les dépenses. Donc voilà, on peut voir dans le menu. Donc les dépenses. Que l'on a tout, enfin, tous les tours, on va dire. Vous voyez qu'on dépense pas mal en ce qui est service public, mais surtout c'est service. Enfin, service technique, pardon, je me suis mal exprimé. Service technique et service public. Transport, c'est raisonnable. Après, pareil, infrastructure, zone vierge, ça je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. Et là, on peut voir bien évidemment les entreprises les plus rentables que nous avons actuellement sur cette ville. Vous voyez, franchement, ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ça rajoute un petit côté. Enfin, je sais pas. J'aime pas. Je sais pas. Enfin, non, si j'aime bien, je veux dire. Mais je sais pas comment dire ça, mais je trouve que ça rajoute quelque chose au jeu, quoi. Vous voyez, par exemple, là, on peut voir l'entreprise la plus rentable actuellement dans notre ville. C'est une manufacture, une usine de peinture. Elle fabrique de la peinture et elle fait x5. Bon, alors, je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'elle produit 5 tokens de peinture. Hein, enfin, de manufacture, plutôt. Ah non, elle vient de se faire niquer par une fabrique de tôle. Et en revenu, 385. Alors, je sais vraiment pas comment ça se calcule, ça aussi. 385 x 5, peut-être. Je sais pas. Aléa, voyons voir où est cette entreprise. Alors voici notre magnifique usine de tôle. Fabrique de tôle, il est très difficile de trouver de l'électricité. Ah oui, effectivement, oui, les entreprises sont un petit peu mal vers ici. Et puis la pollution commence à augmenter sévère. Hein. Bon, l'électricité, je vais faire ça. En tout cas, je trouve ça juste excellent. Vous voyez, l'entreprise la plus rentable. On a même les hôtels sont plutôt rentables aussi. Hein. Si vous voulez vous spécialiser dans le tourisme ou l'hôtel d'affaires. Miser sur les hôtels, hein, c'est nickel. Les plus coûteux, bon ça c'est bien évidemment les services, regardez ça, les pompes à eau, ça coûte 5 000, ça vaut la peau du cul. Mais bon, ça produit pas mal, même les loisirs, vous voyez, c'est emprunt. Ah, j'avais jamais fait gaffe, ça que je pouvais faire. Putain, je m'en suis tellement jamais servi. On peut se faire des emprunts à 1 million, c'est sympa ça. Ouais. Bon, j'en ai absolument pas besoin. Par contre, ils m'ont demandé de l'électricité, effectivement. Bon, par contre, nous, on s'en bat les steaks de l'électricité propre ou pas. Hein. Voilà quoi. Nous, bon, ça va me coûter vraiment la peau du zboub, mais bon, c'est pour le bien. Hein, de. Et encore, ça va, ça m'a pas coûté trop cher. Voyons voir, électricité. Carburant, ça commence vraiment à devenir chaud. Manufacture, c'est un petit peu. Ouais. Consommation interne de la ville 3,6 et on produit que 2,8. Ouais, là, on n'a pas assez de manufacture. Ça veut dire qu'il faut de la manufacture. Qu'est-ce qu'il demande? Travailleurs qualifiés? Ben, je vous en ai offert des travailleurs qualifiés. Qu'est-ce que vous avez? Allez, là, ça s'installe. Faudrait peut-être que j'accélère le temps, en fait, c'est pour ça. Voilà. Là, normalement, vous avez de l'emploi, vous avez de la main-d'œuvre. Voilà, c'est nickel. On va rajouter de la manufacture, bien sûr. Tac. Parce que finalement, je produis pas assez de. Produits manufacturés, il faut je fasse vraiment gaffe aussi au traitement des déchets. Enfin, j'en rajoute. Ouais, voilà. En fait, la deuxième ville que je ferai, elle fera carburant, production de carburant et de traitement des déchets. C'est impératif. Voyez-vous, satisfaction des usines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin de travailleurs. Là, on a vraiment un problème
en ce qui concerne le travail. Vous voyez, on a zéro de chômage. On a 936 emplois disponibles. Alors ça, c'est le rêve, hein. Vous imaginez, dans nos sociétés actuelles, une ville sans chômage, vous voyez, 0%, 0%. Bon, encore là, j'ai que des travailleurs et travailleurs qualifiés de base. Mais vous imaginez même pas. Non, mais ce serait mais juste l'utopie, quoi. En attendant, 936... Enfin, ça arrête pas d'augmenter. Presque 1000, 1 millier d'emplois disponibles. Bah ouais, il y a 1 millier d'emplois disponibles. Franchement, c'est nickel. Ça veut dire que il y a pas assez... de population, si vous voulez, à mon avis. Hein. Et on va y remédier de ce pas. En tout cas, j'espère que vous passez d'excellentes vacances. Enfin, un excellent début de vacances, pour être plus précis. J'espère que vous allez être gâtés pour Noël. En tout cas, moi, je vais bientôt... Alors, je vous dis très très bientôt, là, dans peut-être un jour ou deux, reprendre Black and White. Alors, par contre... je pense que ce qu'on va faire, ouais, j'ai pris ma décision, finalement, on va faire, bon j'ai pas réussi à installer les mods, je m'en excuse, mais on va faire le bien, mais on va faire l'extension Battle for God, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, un truc comme ça, pour qu'il y ait un peu de changement, voilà, et je commence ça dès que possible, c'est-à-dire dans 2 jours peut-être, avec le nouveau micro aussi, si j'arrive à faire les réglages, voilà, enfin que du bon. Il va falloir que je bosse sur ce... Oh, j'ai trop de trucs à faire, sans parler du boulot. Enfin non, ça va, là, j'ai pas trop de travail. Ok, voilà. Ok, c'est bon. Mon électrique 10 000, ça me coûte. Ouais, non, c'est peut-être un peu cher, là. Pour l'instant, ça pourrait... Ça va aller. Allez, les travailleurs. Là, je vous en offre un gros paquet. Et on est à 54 000. Oulala. Oulala, oulala, oulala. Ah. Ah voilà, là ça embauche. Ah ouais, il y a un gros problème de main-d'œuvre. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et vous voyez, là ça embauche. Ah, ça me fait plaisir de voir toutes ces petites pastilles vertes. Ça embauche. Ça produit bien. Par contre, voilà, carburant. Ça, c'est un problème. Un gros problème. Et j'ai pas du tout assez. Oh là là, va falloir que je. Oh, putain, il me faut du travailleur qualifié en masse. Et ouais, et plus de manufacture. Ok, travailleurs qualifiés, manufacture. Ok, c'est noté. Oh là là, c'est la merde. Ah, le travailleur qualifié. Oh là 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 là, travailleurs qualifiés. Ouh loulou. J'aime pas du tout ces périodes. C'est des mini-crises à l'intérieur même d'une ville. Non, bon, alors là, ça va être urbanisation. Après, il va falloir bien sûr s'en occuper parce que voilà. On fait pas venir des habitants comme ça pour le fun. Hein. Ils ont des besoins. Hein. Et oui. Sinon, ce serait trop simple. Hop. Alors qu'est-ce qui me fait chier là encore? On va faire ça. Hein. Là, je vais investir dedans. On a 5 millions, on est... ça va pour l'instant, on est sécu. 5 millions dans le compte en banque. Que demander de plus, hein, finalement? Voilà. Là, vous allez être servi, hein. Il y a de l'emploi. Non, mais regardez, même les bureaux. Oh putain. Hôtel d'affaires. Oh putain, et vous voyez, le bénéfice a bien augmenté. Alors, lui, je regarde, non, c'est nickel. L'hôtel d'affaires, il est parfait. On va en rajouter un troisième, oui, parce que c'est pas... Voilà, peut-être même deux. Voilà, trois hostels de standing l'un à côté de l'autre. Parce que, n'empêche, cette petite merde, là, ça rapporte pas mal. Hein. Nombre de travailleurs qualifiés. Niveau d'activité, ouais, c'est pas mal. Hein. Un bon niveau d'activité. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore d'impact réel. Je vais revérifier un petit coup le trafic. Oh putain, ici dans les fermes, c'est bouché là, t'es sérieux? Ah oui, ça circule, hein. Ça circule bien dans les fermes là. Hein. Merde, comment je fais? Voilà. Ça circule bien. Les habitants sont victimes du rationnement. Ah, voilà. La demande est supérieure à l'offre, comme je vous l'avais dit. Ça veut dire qu'il faut du magasin. Il n'y a pas de miracle, il faut du magasin. Enfin, il n'y a pas de secret, je veux dire plutôt. Pas de miracle, qu'est-ce que je dis moi? Je dis de la merde, encore une fois. Ah, ils veulent du magasin, ils vont être servis là. Hein. Là, vous voyez, franchement, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà, zone commerciale. Là, franchement, je vous gâte et bien sûr, tout le monde va mieux. Enfin, quand je dis tout le monde va mieux, les entreprises vont beaucoup mieux. Vous voyez, l'industrie est parfaitement satisfaite. Je vais juste rajouter de la manufacture puisqu'ils m'en ont demandé.
Va falloir que je fasse gaffe et que j'augmente vite la densité parce que je veux de l'industrie lourde, moi. De la grosse, grosse industrie et de la grosse, grosse manufacture de psychopatates. On va. Bah, vous voyez, ça a considérablement augmenté mes revenus. Je gagne désormais 45 000. Électricité, bon, c'est pas encore ça, l'électricité. Va falloir que je fasse gaffe niveau agroalimentaire encore. Un bureau, ouais, va falloir que je rajoute des bureaux, manufacture, c'est bon, j'ai réussi. En fait, c'est ici qu'il faut aller jeter un œil. Voyez. Production interne de la ville 4,7 et je consomme 4,4. Je produis donc pas encore un token, donc je ne peux pas encore exporter. Mais donc je suis en positif. Par contre, industrie high-tech. Ah, je commence à avoir besoin d'industrie high-tech. Et ben, on va bientôt se lancer dans l'industrie high-tech. En même temps que ben, l'implantation de quartiers d'habitation pour les managers hein, et les élites. Par contre, là, 6,3, je produis que 2 de pétrole. Ouais, il me faut 6,3 là. Là il me faut du pétrole, pétrole, pétrole. Oh, ça commence à devenir limite. Traitement des déchets, il m'en faut un. Il me faut encore du traitement des déchets. Ah, c'est quoi ça? C'est un enfouissement. Là, je remets un dépotoir. Hein. Voilà, un bon gros dépotoir qui va me coûter la peau du cul. Alors par contre il a pas encore embauché, non. Voyons voir si ça arrangeait la chose. Ah, les habitants sont constamment malades, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. On réagit, action, réaction. Tac, tac, tac. On est sur le qui-vive là. Allez, la petite clinique. Petite clinique qui... On va faire une clinique qui va me coûter cher, mais qui aura un très grand impact. Faut des logements pour travailleurs qualifiés. Oh là là, c'est... Vous voyez là, cette clinique... Oh oui, merde, j'avais pas vu ça. Clinique ici, là. Ça va me coûter cher, mais bon. C'est pour mes habitants, hein. Une clinique, voilà, hein, c'est vraiment pour les satisfaire. Oh là là, par contre, je commence à baisser. Qu'est-ce qui se passe? Je perds du fric, non, c'est la mort. Qu'est-ce... Ok, bon, ils veulent encore des travailleurs qualifiés. Oh là, je sais plus où donner de la tête. Il y a trop de trucs. Et on va bientôt se rejoindre ici. Wow, c'est beau. Ils veulent du travailleur qualifié. Je vais leur en donner, moi. Voilà. Et puis on a gagné vraiment pas mal d'habitants. Hein. On a gagné à peu près 30 000 si je dis pas de conneries dans ces eaux-là. Oh, on arrive déjà à la fin de l'épisode, j'avais pas vu. Désolé, ma montre, j'avais appuyé sur un bouton. Dis donc, c'est passé vite. Et regardez-moi ça, notre ville commence à avoir de la maxi gueule, hein, j'ai envie de dire. On est bien là, on est bien. Les perspectives d'avenir sont plutôt favorables. Bon, même si là on a quelques problèmes encore, ne compte aucun salarié. Attendez, je regarde ici. Traitement des déchets. Ah, parfait. Traitement des déchets, j'ai réussi à équilibrer. Ça va commencer à devenir chaud. Agroalimentaire, faut que je fasse gaffe. Par contre, carburant, ça commence à devenir un peu la merde. Industrie lourde, c'est parfait. Manufacture, je vais augmenter. Par contre, industrie high-tech, il va m'en falloir. Donc voilà. C'est parfait, on va faire une zone, j'avais dit industrie high-tech ici, un technopole ici avec du transport et tout le bordel. Enfin, que des bonnes choses, voilà. Plein de bonnes choses, un réseau d'autoroutes, mais on fera d'abord les bus. Mais avant ça, bien évidemment, les manques de tokens bureaux. Ah, attendez, avant de se quitter, on va mettre des bureaux. Bien sûr... La petite ville carburant traitement des déchets qui sera parfaite et donc je pourrai exporter plein de choses. Voilà, donc là je rajoute ça de bureau et voilà. La production ça va être énorme. Attendez, on jette un dernier coup à plus rentable usine. C'est que des usines, hein. On a très peu de. Sauf au moment où on aura des grandes multinationales commerciales ou même des industries high-tech, vous verrez qu'elles produiront au moins revenus 600, quelque chose comme ça. Mais on remarque vraiment que les manufactures sont vraiment les entreprises les plus rentables. Bon voilà, j'arrête de parler. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire.
Allez faire un tour sur Facebook ou Twitter. Je partage les vidéos. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de monde, alors je laisse pas vraiment de messages. Mais vous voyez, je regarde quand même. N'hésitez pas. Par contre, sachez que je regarde plus Facebook que Twitter, parce que Twitter, je fais voilà, histoire de. Bon, histoire de quoi. Hein. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien et joyeuses fêtes! We'll be right back.